Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette seconde édition du FF1 JT du vendredi 11 mai. Au programme de l'actualité aujourd'hui, nous rencontrerons les équipes pour qui cette belle journée ensoleillée a été très bénéfique pour leur tournage. Nous partirons également rencontrer nos envoyés spéciaux dans le centre-ville de Montbéliard, dans lequel s'est tenu aujourd'hui un jeu de piste. Mais sans plus attendre, dirigeons-nous du côté de Saint-Bougnard-les-Molineaux pour rencontrer notre première équipe. Vendredi 11 mai, deuxième jour du FF1J. À plus ou moins 24 heures de la fin du chrono, les équipes s'activent. Pour la plupart, les scénarios sont bouclés. C'est maintenant l'heure pour les participants de passer à l'étape du tournage. Trouver le lieu idéal n'est pas chose aisée. Il faut parfois user de négociations, d'autant que le terrain de jeu est réduit. Un hôpital abandonné, un amphithéâtre, un appartement ou même une simple salle, il faut redoubler d'imagination pour réussir à projeter ses idées dans le réel. Les scènes s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Par chance, cette journée fut ensoleillée, ce qui facilite grandement le travail de nos vidéastes. Il ne faut plus perdre de temps, ni avoir peur. Soyez des combattants, vous avez 19 heures. Merci à beaucoup pour ce reportage très intéressant. Nous allons à présent nous rendre auprès d'une équipe qui a su nous accorder un petit peu de leur temps malgré cette journée de tournage très chargée. On est avec CNT-CNC de Centrale Nantes, actuellement dans les toilettes d'un hôpital désaffecté à Montbéliard. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter sur votre tournage ? Alors, on a eu un souci avec une porte parce qu'il y avait une vitre dessus et on voulait pas de vitre. On essayait de la changer, mais les portes étaient toutes trop grandes. Du coup, on l'a peinte. Voilà. C'est... Qu'est-ce qui caractérise votre équipe ? Tu veux parler ? Alors, on est des bras cassés. Non, plus honnêtement, on est une équipe assez détendue, je crois. Oui. Peut-être un peu trop. Enfin, on a une bonne ambiance, on s'entend tous bien, donc... Voilà, ça se passe super bien. Ouais. Puis là, on commence notre tournage. C'est cool. C'est cool. Et surtout, le plus important, c'est que c'est l'équipe qui va gagner. Ah, Camille soutient son équipe, c'est trop mignon. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. Merci les jeunes pour vos réponses. C'était très intéressant. On vous embrasse. Tandis que la plupart des équipes ont passé leur journée à tourner, certaines d'entre elles ont pris ce défi pas très au sérieux et on va retrouver leur performance de la journée. Ah bah là, c'est compliqué, là, on a beaucoup de choses à faire, on est vachement sous pression pour l'instant. Ouais, c'est vraiment le brainstorming en fait. Là, ouais, là, on est dans des... Non, ouais, ça se passe plutôt bien. Il y a toute l'équipe qui a pu se reposer un peu cette nuit. Il y en a certains qui sont restés debout pour peaufiner un peu le scénar et ces trucs-là. Mais sinon, je pense qu'on est plutôt pas mal. Après, comme on est obligé de tourner de nuit avec ce scénario, là, on n'a pas grand-chose à faire, à part du repérage et... Ouais, en tant que réalisateur, c'est vrai qu'il en reste plus. Non, il y a 20 ans, c'est vrai. En vrai, il en reste plus. Ouais, des scénaristes... Des douanes surtout de super, en fait. Exactement, c'est ça en fait, voilà. Mais après, bon, c'est un peu l'année du bras cassé qu'on traîne depuis un an maintenant. Donc on commence à se connaître un peu, chacun fait son job de son ou de son coin. Notre public, c'est tous des débutants aussi, hein, donc faut la recadrer des fois. On est habitué aux 24 heures, donc voilà. Il y a 26 heures de trop actuellement. On a fini là. Ah, la jeunesse, c'est plus que c'était. En tout cas, c'est pas ça qui va gagner le chrono d'or. C'était tout pour les équipes aujourd'hui, mais comme on vous l'a indiqué au début de ces titres, il y a également un jeu de piste qui s'est tenu aujourd'hui au centre-ville de Montbéliard. Et nous allons tout de suite retrouver la responsable de ce jeu de piste. Bonjour, on se retrouve au Square du Souvenir à Montbéliard. Alors, on est dans un stand un peu particulier. En quoi consiste votre jeu exactement ?
Alors, en fait, ce jeu, c'est un jeu de piste qui se passe dans la ville de Montbéliard. L'idée, c'est de résoudre une enquête policière, voilà, parce qu'un vol a été commis au sein de la ville. Alors, ce vol, c'est que tous les rushs, tous les enregistrements des équipes du FFNJ ont été volés, honteusement, par on ne sait pas quel malandrin. Et l'idée, ça va être de retrouver tous ces rushs, déjà de retrouver les enregistrements parce que ce serait quand même bien de pouvoir continuer le festival et que les équipes puissent continuer à filmer, et aussi de savoir qui a commis ça, donc essayer de trouver la personne responsable de ça et de savoir quel est son mobile, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc pour ça les joueurs doivent retrouver des affiches comme celle-ci, et l'idée c'est de, ça va être de scanner les QR codes qui sont sur ces affiches et de pouvoir ensuite trouver des indices pour pouvoir avancer dans le jeu et savoir voilà quel est le mobile du crime, du meurtre, voilà, de cet odieux larcin. Parce que vous avez eu beaucoup de participants pour l'instant? Si, on a eu beaucoup de chiens qui sont passés devant, voilà. Mais malheureusement, ils ne savaient pas vraiment lire, donc on n'a pas pu vraiment leur permettre de jouer au jeu. Mais sinon, là, cet après-midi, on a pas mal de personnes qui sont venues, bah, déjà, juste des personnes qui sont venues passer pour nous demander ce que c'était. Donc on leur a parlé voilà, de l'événement, de ce qu'il y avait demain, de la cérémonie de clôture. Et sinon, on a eu des groupes qui sont passés aussi pour pouvoir bah, voilà, jouer. Donc on a eu un groupe qui est parti à très longtemps, il y a aussi un groupe qui va bientôt pouvoir jouer juste après, donc c'est un événement comme ça qui se fait le vendredi, puis du coup demain on espère qu'il y aura peut-être un peu plus de monde vu que ce sera le week-end, donc voilà pour le résumé. Bah, je vous remercie pour cette interview et d'avoir consacré un peu de temps dans votre journée. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et j'espère que vous allez jouer au jeu de piste et que vous allez tout poutrer pour pouvoir gagner les fameux lots, les fameux goodies hein, voilà, que vous n'avez pas et savoir ce que c'est. Ouais. Merci. Merci beaucoup les filles, en tout cas ça nous donne bien envie de vous flasher le QR. Donc pour les événements de cette journée, c'est terminé, mais nous vous donnons bien sûr rendez-vous demain à la Malse de Sochaux à 20h pour la projection des courts-métrages réalisés par les 11 équipes participantes cette année. Sans transition, la météo. Météo. It's me, météo. Pour la météo du samedi 12 mai, le beau temps se prolongera toute la journée avec quelques passages nuageux en fin d'après-midi. 22 degrés sur l'ensemble du territoire et demain, nous fêterons la Saint-Achille. Attention aux talons. Ce soir, ne ratez pas la 7e rediffusion de notre reportage sur la reproduction des escargots en Tanzanie. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Ha ha ha.